Alors, on a parlé on a dit la Gemara maintenant, elle reprend le sujet de la Mishnah Hayam Modet Veigia. Quand le monsieur en est Daf Nunchet, Amoud Aleph, dans le dernier quart de la page, le dernier cinquième de la page. Bien, fais une bonne médita. On passe à Nounchet Amoudbet. Combien on a dit dans la profondeur de la falaise? Combien je peux descendre? On a dit que si j'ai un vol d'oiseau, j'ai 100 mètres. Même si la falaise, elle est très profonde et je marche, j'ai 800 amot, 1000 amot, j'ai pas de problème. L'Agma, il y a quand même une limite. L'Agma, il me dit toujours, tout ce qui est Havlara ne peut pas être plus important que l'objet même. Tu dis que tu as le droit à 2000 amot, n'est-ce pas? Tu dis qu'une falaise, Mavliya, combien? Elle peut pas être plus que 2000. Peut pas être plus que la base. Si la base, elle est 2000, tu vas faire 4000. Alors combien? Pas plus que 2000. Alors hier, il a demandé à Rabbi Yaakov, qu'est-ce qu'on fait s'il y a une falaise? C'est cumulatif. Après, est-ce que c'est cumulatif? Lire Orad, j'ai cherché dans Ah les. bon? Oui. Et alors? Et j'ai trouvé que j'ai pas trouvé que qu'ils interdisent. Normalement, oui. C'est Non. l'équipage. Parce que ça a une notion. Et j'ai pensé l'après-midi, il y a une halakha qui nous dit Kama Kama Batil. C'est quoi Kama Kama Batil? C'est quand tu fais par exemple dans les Ikhot tu as. Quand on sent pas le goût, d'accord? On sent pas le goût. Tu as un morceau de viande. Une soupe de viande qui est tombée dans du lait. S'il y a moins qu'un soixantième, et toujours on ne sent pas le goût. Qu'est-ce que tu dis? Moins d'un soixantième, battel. Ça s'est annulé, c'est tombé, ça a été. C'est pas tombé en une fois, c'est tombé, c'est annulé. Une heure après, il y a encore. Ah là, c'est retombé. Et encore une fois, il n'y a pas de goût. Comment je calcule? Maintenant, la deuxième quantité est plus importante que la première. Je calcule la première quantité, elle est déjà annulée. Donc, il est intégré dans le lait. Et l'autre, hein, il a fait, pourquoi? Parce qu'elle a déjà été annulée. Non, raconte. Non, non. Non, la compte dans le On lait. la compte dans la viande, pas dans Tu le la lait qui comptes est dans la tombé. viande, c'est tout. Tu C'est ça? refais sur Oui, la par exemple. viande. Oui, Si c'est on est à la ça. limite, si on a 1 sur 60, Oui, c'est 1 kilo 61. qui est Mais tombé sous 60 kilos. 61. Alors, Ça qu'est-ce fait que tu fais? 61. Ça fait 61. Ça fait 1 sur 61. Ah, ça fait 1 sur Pas 61. mal. En plus, ça s'ajoute. Oui, ça Oui, s'ajoute, c'est ce que j'ai c'est dit. ça. C'est ça la notion de Kama Kama Batil. Ouais, ok. Rav Ovadia Yosef, par exemple, il a utilisé cette base pour autre chose. Lui, il a dit que tous les Ashkénazes en Eretz Israël, ils doivent faire comme les Sfarad à Halakha. Pourquoi? Parce qu'il a dit le premier Ashkénaze, il est venu avec une communauté Sfarad, n'est-ce pas? Il est descendu du bateau à Haïfa ou à Jaffa. Il dit, je suis dans un pays Sfarad. Je suis Sfarad. Donc, il doit être Battle. annulé. Le deuxième Ashkénaze, Ça il est battu le premier. Le troisième, il est oui, battu le deuxième. mais ils sont venus en camoulot, ils sont pas Non, il dit, venus c'est pas avant. Michané. Il dit, du moment où jamais ils étaient une majorité quand ils sont venus, il dit, d'après la halakha, il dit, ils ont le dîme de Kama Kama Batil, et ils doivent tous faire d'après Shulchan Aruch en Eretz Israël. Avant, il disait ça dans tous les shiurim. Après, il a pris la guerre avec ça. Il a arrêté de dire en public, mais c'est son opinion. Quand il y a un Baal Tshuva qui venait chez lui, il dira, mes parents sont Ashkenaz, j'ai fait Tshuva. Qu'est-ce que je dois faire? Non, un Baal Tshuva. Ah, il n'a pas Non, fait quelle le chouva des coutume? sages Kinazou. Non, non, Il quelle coutume? Quelle coutume? Quelle n'a coutume? pas de coutume, il n'a pas de coutume. Alors il lui a dit, mon fils, toi tu deviens Ça Sfarad. fait tout le monde, sauf les Tunisiens. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent comme Ils Kama, Kama, Batil, ça a été annulé, même dans les falaises. Le ça. premier, elle a été Ah, annulée. voilà. Elle rentre dans le tronc. Ça y est, elle est effacée. Mais comment on coche le gré? Amar Rav Yosef Alpaï. La Gemara pose la question. Etive Abaye.
Il dit, c'est écrit là, dans la Braïta. C'est écrit Amok Me'a Vero Rochav Hamishim. Mavliro Ve'im Laven Mavliro. C'est-à-dire que tu vois C'est moins que que la c'est pas, on n'arrive pas à bataille. 1999. À 100, ça y est, c'est beaucoup déjà. Ah Si la vallée, elle fait 100, il lui a posé la question à Rav Yosef. Comment tu me dis? c'est pas clair. Hein? Amko, est-ce que c'est la profondeur ou c'est la distance pour aller de Amko, c'est la là à la. profondeur. Profondeur. Non, c'est pas viral, c'est le rhume, moi. Non, Le Omek, c'est juste vérifié. la profondeur. Amko, il n'a pas dit Rochmo. Amko. Non, Rochav tu mesures. Rochav, c'est une chose. Après, la distance de là à là, là, c'est le. C'est Là, Hamishim. c'est la truc. Est-ce que c'est Avant, 2000, 50. est-ce que c'est 2000 de là à là ou c'est 2000, c'est juste le Omek? Le Omek, comme ce qu'il a dit lui. Lui, il a dit que dans le 2, quand tu montes, tu dois monter, ton parcours, il ne fait pas plus que 2000. S'il fait plus que 2000, non. Donc, c'est pas ça, l'armée. L'armée, c'est juste Si. ça. Oui, Parce que ça, parce que le parcours, c'est descendre, marcher et monter. Oui, marcher et monter. Vertical, Donc, tout ça, il faut qu'il y ait moins ça, il de faut 2000. 2000. Ah. Alors, comment on fait quand c'est plus de 50? Comment on mesure? Ben, c'est pour ça Donc, qu'est-ce qu'il on n'a faisait? pas mesuré. Qu'est-ce qu'il L'endroit où faisait? c'est plus petit. Ils allaient plus loin, ils allaient le plus loin possible et ils gardaient l'endroit, la Ah. position. Et après, ils venaient, ils se mettaient en face et ils reprenaient. Sinon, on va le dire. Ils regardaient comme ça. Et ils tiraient les fils, ils tiraient, ils allaient dans l'endroit étroit et ils mesuraient là-bas. Après, quand ils voyaient qu'ils arrivent, ça s'élargit, ils tirent de là-bas encore une fois le fil. Et jusqu'au moment où il arrive, il met le point et il continue. Il n'y a rien à faire. C'est pas évident de faire des cartes dans les conditions d'époque aujourd'hui. C'est facile avec les satellites. Tu sais combien elle a grandi, tu sais le truc et tu calcules longitude, machin, tu sais tout de suite. Mais à l'époque, non. Aujourd'hui, la mairie, vous savez ce qu'elle fait? Elle prend une photo satellite de la ville, elle compare, elle fait la comparaison Ils ont avec même les l'intelligence droits. artificielle à la photo d'il y a un mois, elle dit, trouve-moi les pixels différents. Elle fait tac, un point rouge. Ils agrandissent le zoom, ils disent, ah, il a construit celui-là. Ah Et ouais. à Durban. Ils envoient, c'est comme ça. Ils ont même les drones. Non, mais pas besoin des drones aujourd'hui. Non, mais plus besoin des drones. Compare Après, ils envoient un drone pour certifier, mais ils n'ont plus besoin. La photo, elle fait tout de suite. L'ordinateur, il compare. Les millions de pixels, tac, ils te sautent. Si vous voulez faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous voulez construire, vous mettez une toile ou une bâche ou une toile. Hein? Non, et en bas, tu construis. Et Donc, tu après, laisses la vache dessus. ah. Tu laisses la vache. Pas de rats. Ils sont vicieux, le rabbin, ou pas? Non, mais tu peux faire une pergola. Pergola. Voilà. Pergola. Il y aura toujours des voisins. Non, on non, aura jusqu'à 20 mètres. Jusqu'à 20 mètres. On aura toujours des bons voisins. Bah, le I-15, c'est bon. En Israël, il n'y a aucun voisin qui te fait de cadeau. Malheureusement. S'il est comme les tarifs, bon, en tous les cas, tout fille qui pleurait le pot. Non, mais il y a aujourd'hui, il y a des spécialistes aujourd'hui pour contourner la loi. Il faut que vous le sachiez. Il y a un toit, vous faites le toit, il vaut 80 000 shekels. Vous avez un télécommande. Et dès que la mairie vous dit d'enlever, vous dites, vous enlevez. Dès qu'elle part, tu rouvres. Elle ne peut pas te les détruire. Quand il te fait le taf, tu dis, ouais, quand il vient, c'est ouvert. Qu'est-ce que tu veux? Début, il dit chez lui, il a fait ça. Hein? Il dit, il a fait ça. Il a un Oui. truc Électrique. Ils ont Tu ouvres parlé et tu avec fermes, les ils peuvent rien parkings dans faire les d'après la maisons. loi. Il n'y a rien à faire. Ils sont partis déjà aux tribunaux, les mairies, ils ne peuvent rien faire contre ça. Tu fais ton toit, il ferme. Il ouvre. Qu'est-ce qu'il va te faire? Rien te faire. Temporaire. 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 Et moi, j'ai mis en bas un truc de 1,50 m. Sur ta voiture? Non, non. J'ai deux terrasses. Dans la terrasse. J'ai mis un toit, mais j'ai pris les barzelles pour mettre les spots. Non, les B13, les Guévès. Oui. Voilà, j'ai mis ça. Et J'ai mis du bois à la tu as place. reçu une lettre tout de suite. J'ai reçu une lettre, il faut démonter. C'est vrai. Donc, il y a mon voisin qui a démonté. J'ai pris la photo, j'ai inversé. Ils m'ont dit qu'il faut m'envoyer la photo. Le voisin, il a démonté. J'ai pris la photo du voisin. J'ai inversé le truc, j'ai renvoyé mon côté. J'ai fait comme. Il y avait deux musulmans.
Il y avait deux musulmans et deux juifs qui voulaient voler le train. Bon, ils étaient assis comme ça, et les musulmans, ils achètent deux tickets de train. Et les juifs, quand ils ont vu que les musulmans, ils achètent, ils ont acheté un ticket de train. Ils sont venus, ils étaient assis devant eux. Et les juifs, ils disent aux musulmans, combien de tickets vous avez acheté? Et les musulmans, ils en ont acheté deux. Les juifs éclatent de rire. Et ils disent, et pourquoi, combien vous, vous avez acheté? Ils en ont acheté que un. Et ils disent, comment vous allez voyager? Il y a le contrôleur, mais tu vas voir. Bon, il y a le contrôleur, il passe. Il y a les deux juifs, ils rentrent dans la toilette. Le contrôleur, il tape sur la porte du toilette. Ils font sortir un ticket. Et ils rentrent. Le contrôleur, ils sont mis en place. Les musulmans, ils ont dit, ah purée, vous êtes intelligents, vous, les juifs. Quand ils sont descendus, après, ils devaient reprendre le train, un autre train. Le musulman, il a dit, viens, on va les avoir, on va acheter, nous, un ticket. On va nous rentrer aux toilettes et on va les bloquer. Ils vont prendre l'amende. Alors, les juifs ont acheté un ticket. Non, les juifs, quand les musulmans, ils sont partis, ils ont acheté un ticket. Quand les juifs, ils ont vu que ils ont acheté un ticket, ils ont dit, ben non, on n'achète pas de ticket. vous êtes fous. Bon, ils sont arrivés au train, il y a le contrôleur, il y a les deux musulmans, ils poussent les juifs sur la chaise, ils courent aux toilettes, ils ont rattrapé les toilettes. Le juif, il vient, il tape à la porte, il dit, contrôleur, contrôleur, ils font sortir le ticket. Ils ont pris le ticket, ils sont partis dans l'autre wagon. Ce qu'il a fait. Alors maintenant, la Gemara dit, et tu vas abayer à Mokmea, Verochav, Hamishi, Mavliro. La Gemara dit, Oud et Amar Kéacherim. Cette opinion, elle est comme Acherim. C'est qui Acherim normalement? C'est Rabbi Meir. Oud et Amar Kéacherim. Comme que la Gemara dit dans Orayot que c'est toujours Rabbi Meir. Détania Acherim Omrim. Afilo Amok Alpaim, Verochav Hamishim, Mavliro. La profondeur, elle est 5, même si elle va jusqu'à 2000, du moment où un vol d'oiseau envoie l'autre côté, même s'il y a une très grosse falaise. Dans le Midbar, dans les déserts de la Judée, on peut voir ça beaucoup. Dans les entourages de Jérusalem, vous pouvez voir beaucoup, beaucoup de profondeur terrible. Et donc, il n'y a pas de problème. Donc, parce qu'on est que Afilou Amok Alpaim, Verochav Hamishim. Ikade Amré, Amar Rav Yosef, Afilou Yater Malpaim. Afilou Yater Malpaim. Rav Yosef, il y a des qui disent en son nom, même si à vol d'oiseau, par exemple, c'est 100 mètres et la falaise qui descend, elle fait plus que 2000 amot. Il dit, on s'en fiche. Pourquoi? Je ne regarde que à vol d'oiseau. Je ne regarde même pas ce qu'il y a en bas. Ça ne m'intéresse pas. Il y avait des vieilles maisons arabes. Amot, oui. Donc, là, il y avait la falaise. Et après, tu peux remonter. Lifta, oui, exactement. C'est des trucs. Où on peut voir ces vrais endroits quand vous allez en Jordanie à Kever Aaron à Cohen, c'est incroyable. Ça descend comme ça et ça monte. C'est mamash, oui. Bon. Et ils habitaient dans des endroits où il y avait beaucoup de montagnes dans ces endroits là-bas. En Eretz Israël, c'est plein de montagnes. Apparemment, c'est plus que 2000. Alors attendez, il y a une opinion. Au nom de Rav Yosef, Afilou Yater Malpaim, alors la Gemara veut comprendre. Ça, c'est qui? Sur qui il s'est appuyé, d'après cette version? Keman, de là Kitanakama. Parce que lui, il a autorisé que Mea et de la Kéahérim, qu'eux, ils ont autorisé jusqu'à 2000. Il m'a dit, Atam, She'en Chout Amishkolet Yored Kinektor. Pourquoi on est Mahmir? Parce que la falaise, on peut marcher un peu dans la falaise. Alors, il y a un rachage de Chachamim que quand une falaise, elle est comme ça, c'est pas une vraie falaise. Ça descend, mais tu peux marcher. Ils vont dire, ce monsieur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir qu'il avait le droit, il a marché, il se rappelle qu'il a marché pendant 20 minutes. Et quand il est arrivé, il avait marché encore 20 minutes et il n'y avait pas de problème.
Et rien qu'après, il a vu le panneau Arad Kent et Rom Shabbat. À l'époque, les gens, ils estimaient, tu peux marcher 20 minutes, tu peux marcher 30 minutes. Alors, il va dire, ah, ben, on a le droit de marcher 40 minutes. Vous savez, dans le Waze, aujourd'hui, il ne vous dit pas 25 km. Il te dit, voyage 10 minutes. Il calcule déjà la route, il te dit, va 10 minutes, va 20 minutes. Alors, la personne, il se dit, j'ai marché 40 minutes et c'était moutard. Ben, même là, j'ai le droit de marcher 40 minutes. Il va marcher dans un endroit tout droit, 40 minutes. Alors, Khachamim, ils ont dit, on va lui interdire, on va le limiter à 2000. Même dans cette... Mais quand l'endroit, il est hyper, hyper profond, il n'y a que les chèvres qui marchent. Je suis là, j'ai un marabout, il a décidé d'aller là-bas, de marcher dans des endroits où c'est hyper dangereux, où les gens ne marchent pas. Pourquoi pour lui, je vais faire une xéra ? Oui, il marche, je veux dire, oh, j'ai autorisé, même si c'est plus profond que ça. Il dit, mais quand tu prends le fil, tu vois, il descend comme ça en bas. C'est-à-dire qu'un homme normal, si c'est pas, il ne fait pas du snappling, il va pas descendre. Celui-là, il est chanceux. Il arrive. Il y a des gens qui arrivent à faire ça. On ne dit pas pour ça, c'est ce qu'il dit. Il dit ce qu'il a autorisé ici. Il a autorisé dans des cas particuliers où la falaise, elle est vraiment compliquée à descendre. Les gens ne descendent pas. Ça ne risque rien. Même si tu mets le Hirouf Troumine, le bâton à 1 km là-bas, les gens, ils vont, de toute façon, ils ne passent pas là. Ils ne passent pas par là. Ils prolongent la route pour ne pas aller. Des fois, vous pouvez voir dans la montagne. Tu as vu, quand on est descendu là-bas, il y a des endroits où c'est hyper étroit. Tu tombes, c'est dangereux, tu glisses, tu n'as pas des bonnes chaussures. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu préfères d'aller 100 mètres autour et ne pas faire. Il y a des gens des maroules, comme moi, ils courent. Ils foncent, défenseurs. Hein? Ah, on s'en fiche, on ne regarde pas les chaussures. Si tu tombes, tu tombes. Si tu... Alors, c'est ce qu'ils disent. Atam shein khut hamishkolet yored kenegdo acha bkhut hamishkolet yored kenegdo la gemara dit vechi en khut hamishkolet yored kenegdo ad kama, combien quand il descend pas. Amar rav dimi 4 vechen tanirim bir yeskel 4, il dit combien elle doit s'éloigner le fil, c'est-à-dire il prenait un roseau et dit 4 amot, c'est-à-dire il fait des petits escaliers pour ne pas que ça veut dire un endroit moins de 4, ça veut dire quand tu te poses sur un endroit, tu te poses dans la pente. La pente, elle fait ça. D'accord ? Quand toi, tu te poses ici et tu prends la canne avec ta main et tu prends le fil pas trop loin et il ne touche pas le sol, c'est-à-dire que c'est trop compliqué de marcher là-bas. Un homme, il a besoin d'une équivalence à peu près d'un escalier pour bien descendre. Toujours le paramètre pour... Quand tu regardes à vue d'œil, tu veux savoir est-ce que tu peux descendre tranquillement. Qu'est-ce que tu dois avoir ? Tu dois essayer de t'imaginer un L à l'envers, ou dans l'endroit où tu te fais virtuel un L et tu vois qu'il descend. C'est-à-dire que tu peux descendre. Oui, mais ça dépend de la hauteur. Un L équivalent. Oui, mais un L de combien de longueur de L, elle peut être... Non, un grand L, tu le renverses. Un rêche, une pomme de rêche. Comme ça, non, c'est l'homme échané. Non, c'est l'homme échané. Du moment où tu vois que c'est équivalent, ça veut dire que tu... Non, tu as ton bâton, tu as le bâton, il arrive là. Il a un fil qui est équivalent à sa taille. Il est équivalent à sa taille. Tu le vois qui tombe, pac. C'est-à-dire que tu peux descendre. Mais si, quand tu le prends, il touche pas, c'est-à-dire que la pente, elle est dangereuse. Ne marche pas là-bas. Donc c'est plus de 45 degrés alors. Voilà, plus de 45 degrés. Je sais pas, 45 degrés, ça va, c'est pas. Parce que là, il précise pas ici. Si, c'est ça la cabane. D'accord. Oh là. C'est Arba, Arba. Hein ? Non, Arba, c'est là. Parce que le bâton, hein ? On limite la distance du côté que. Ça dépend aussi de l'angle. Il y a encore une deuxième inconnue. Non, parce qu'il n'y a pas un inconnu. Parce que regarde. Il n'y a pas un deuxième inconnu. Quand tu regardes, tu as ça et ça. Le point du sol. Le point. Oui. Non, le point du sol. Moi, ici, ça fait 2 mètres. D'accord ? Ici, c'est 2 mètres. Ça aussi, c'est 2 mètres. Le fil aussi, il est 2 mètres. Le fil, il est 2 mètres. Donc, je sais que ça, c'est comme ça. Je peux marcher. Si on a ça, c'est ça. On a l'angle. Garde 45 degrés, tu peux marcher. C'est pas grave. Ça peut avoir deux paramètres. C'est ce qu'il a voulu dire. Il a dit une falaise qui est compliquée plus que ça.
C'est pas tout le monde, c'est pas fait pour tout le monde. Les gens ils ne passeront pas dans un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il a voulu? Je sais pas, quand tu as des cas sur des autres. Égal à la harve, Mavlio, Vechoser le Midato. Il est arrivé dans un. Il y a devant lui un grand rocher ou une montagne qui montre comment il fait. Il tourne, après il estime où ça devrait être. Parce que, c'est-à-dire qu'on voit que c'est pas qu'une falaise. C'est aussi une montagne. Le grand devine, il écrit ça à la Khalimahase. On va voir, est-ce que c'est à la Khalimahase. Il dit un rocher, un endroit. Il dit pourquoi, qui c'est qui a décidé que j'ai le droit que de descendre et de monter? Je peux aussi monter et descendre. Pourquoi tu as décidé que ça doit être qu'une falaise? Fais-le aussi. Alors il dit Amar Avaloshanu et la Behar. Alors regardez, Behar a mis claquette. Asara mitor arba. Val Behar a mis claquette. Asara mitor hamesh, modedo medida yafa. Il dit, dans la montagne, il faut qu'il y ait une hauteur de 10 sur arba amot. C'est-à-dire, il veut dire, c'est une pente de 24. On a oui, c'est ça. Cette hauteur, c'est comme une rampe. En fait, de là à là, si tu prends un trait normal, de là à là, ça ici c'est arba amot, c'est-à-dire 2 mètres. Ici, il y a 80 centimes. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait Asarat Fahim en hauteur sur 4 amot. Si c'est plus que ça, c'est-à-dire si c'est, admettons que c'est comme ça, c'est-à-dire là, c'est haut, ça fait 2 mètres, par exemple, et ici, ça fait 3 mètres ou 4 mètres. C'est pas bon. Ça veut dire tout le. Il ne faut pas que ça soit trop. Il ne faut pas que ça soit étroit. Pour la montagne qu'elle se fait annuler, comment elle se fait annuler? Alors il te dit, si par exemple la montagne, elle est plus petite que ça, ça veut dire que ça monte à moins que 80 cm pour 2 mètres. Alors tu montes dessus, tu calcules. Il n'y a pas une raison. C'est comme si tu marchais normal. Bon, c'est un peu plus dur. Mais ce n'est pas si compliqué que ça. Plus que 45 degrés, on ne fait pas. Plus que 45 degrés, c'est à peu près 45 degrés, tu as raison. Si c'est plus que 45 degrés, là, elle est effacée, elle est annulée. C'est-à-dire que tu prends le trait comme si… Parce que quand la personne, il est là… Alors, je dis, si c'est comme ça, tu as le droit de percer. Tu fais comme si tu perces et tu arrives là. Mais si… Ou dans ce cas, tu perces et tu arrives là. Mais si… Cette pente, elle est légère. D'accord? C'est comme ça. Tant qu'à faire, calcule. Non, on ne l'aperçoit pas. Non, ce n'est pas l'œil qui voyait, il marchait. Ils essayaient de voir. C'est-à-dire. C'est l'aspect dans la. Ben oui, dans l'idée on va pas profaner aux gens l'idée. Quand c'est une route commune à tout le monde marche là-dedans. Il n'y a pas de problème. Donc, tu la calcules. Mais quand tu sais que, bon, il y a quelques fous, des gens qui sont pressés de partir, des gens qui font des raccourcis, alors tu dis, bon, je ne vais pas taper toute la ville à cause de ça. J'avance derrière et je continue. C'est ce qu'il a voulu dire. Ça, c'est la logique. Amar, avaloshanou elabé, aramit laket, asara mitoch arba, avalamit laket, asara mitoch hamisha. Pourquoi Asara mitor Hamisha, c'est Hamesh Amot, c'est-à-dire que la pente, la pente, elle est beaucoup plus belle. Ça veut dire qu'elle est plus facile à marcher. J'ai une hauteur de 10 points sur 2 mètres et demi. Donc la pente, elle est plus facile. Quand la pente, elle va de 2 mètres pour 80 cm, 2 mètres de rampe sur 80 cm, c'est une rampe assez compliquée à marcher. Donc, toujours quand c'est à ce niveau,
45 degrés, c'est problématique. Je perce. Et l'endroit, il n'est pas calculé. Mais quand la rampe, la pente, elle est pas si grave, elle est pas, elle va doucement, doucement. Là, pourquoi je vais être Mekel? Calcule, là. Les gens, ils marchent dessus. C'est ça, la ville. C'est ça, la marche. Vous avez compris? Hein? 40%, oui. Okay. Quoi? Ça, elle a été attaquée? Non, il a une Azaka, il n'a pas été attaqué. Qu'est-ce qui a été attaqué? Ils ont envoyé des alertes là-bas. C'est quelle ville? Rochin? Non, c'est pas. Ah, c'est pas. Bon. Tanoura, alors, c'est ce qu'il dit. Ah, ma Rava, c'est ça la halakha comme lui. L'Oshan, ou la Baha, mitlaket asara mitoch hamesh. Aval Baha, mitlaket asara mitoch arba. Omdo veolechlo. Quand la pente, elle est importante, elle est difficile, voilà. Là, je perce. Voilà. J'estime et je passe derrière. Et les gens de la ville, ils ont gagné. Les gens de la ville, ils ont gagné. Mais quand c'est une pente, Tzfat, par exemple, c'est une. Quand vous allez au cimetière, c'est une vraie pente. S'il n'y avait pas les escaliers aujourd'hui, c'est impossible. 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 C'est comme ça. Si tu veux les rejoindre. Quoi. C'est-à-dire. Maintenant. Moi, j'aime bien. Quand on était parti sur la tombe de Aaron à Cohen, il y avait le papa de Laurent Habit avec nous. Il avait 60. Courageux, il avait 70 ans à peu près, Albert. Quand on est monté sur la tombe de Aaron Cohen, il était tellement essoufflé. Il dit, je comprends pourquoi Aaron est mort. Quand il est monté à 123 ans, une montagne qui fait 1300 mètres d'altitude. Il vaut mieux pas redescendre. Maintenant, la Gemara a dit, « Ubilvad shelo yetzichut datrum. Maitama, Amarav Kahana, Gezera, Gezera shemayomru. » Pourquoi hein, quand la montagne maintenant elle est longue, elle est large, c'est comme les Alpes, combien j'ai le droit de tourner, celui qui mesure, il y a une ville à côté des Alpes, il y a la montagne, qu'est-ce qu'il fait? Il dit ok, je peux pas mesurer ici, c'est trop haut, il y a la pente, elle est trop compliquée, je tourne et je fais. On lui dit, si tu dois marcher plus que 2000 amotes, t'as pas le droit. Pourquoi? Parce que les gens de la ville, ils voient les envoyés du Bédinaga. Les gens, ils calculent tout ça pour le. C'est moutard d'aller là-bas. Alors, on leur dit non, tu ne fais pas. Maïta Amra, Gezera, Shema, Yomo, Bédat, Rumba, Alekan. Même que les Khora, vous allez me dire. Non. Pourquoi? Non, arrête, les Khora, c'est des Rabanan. Tu vas me dire Gzera, les Gzera. Hein? Là, c'est un tam dans l'idée, ils ont compris. L'idée du trou, c'est quoi? C'est pour limiter les gens qui ne sortent pas, qui ne sont pas des rendez-vous Shabbat. Ils disent, allez, moi, Shabbat, je voyage là-bas, je vais là-bas. Alors, dans l'idée, on reste toujours dans le même concept. Il faut garder. L'accès est souvent par le col. Exactement. Si tu t'éloignes de 2000, dès que tu commences à faire le col, tu rallonges le chemin. Tu rallonges beaucoup. Beaucoup, beaucoup, tu rallonges. Et c'est un tunnel, c'est bon. Oui. Ah, tunnel, magnifique. Im en yachol avgirot, anu rabbanan, ketzad mekadrin. Comment en perse? Ketzad mekadrin. Tarton keneged libo. Elion keneged margelotav. Comment on prend le fil? Les gens, comment ils tiennent? Alors, celui qui est en bas, il met à sa poitrine. Et celui qui est en haut, il attache à ses pieds. En bas. Donc, ça fait... Ça veut dire, c'est pas au niveau de la tête, toujours au niveau de la poitrine. Il attrape comme ça le fil. Et l'autre, il attrape, il attache au pied. Il regarde, c'est correct. Et ils refont un escalier. Et ils refont. C'est évalué, le terme, Catherine. C'est évalué. En fait, c'est pas précis. On fait une évaluation. Estimation. Ce langage de Mekadrin, il est pas évident parce que. Il y a dans le langage de la Gemara, dans ma série de Sofrim, le kader otiot de Sefer Torah. Être mekader chez Hashem. C'est enlever le chez Hashem sans l'effacer. Comment tu le fais? Donc,
Ce mot, il sert à plusieurs. Ouais. Et si tu as des rizières, tu vois le système des rizières. C'est quoi des rizières? C'est exactement, mais les oliviers, pareil. Les terrasses. Alors comment ça marche? Là, tu peux descendre. Voilà, tu calcules la pente. C'est exactement ça. Tu as raison. Tu as raison. Il faut tenir l'eau. Oui, exactement. Ça n'a pas d'agriculture en Italie. Bah, c'est ce qu'il y a en Espagne. C'est ce qu'il y a en Espagne, partout dans les montagnes pour les oliviers. Même en Israël, il y avait ça. Pourquoi en Israël, justement, on a plein d'endroits qui sont vides? Parce qu'ils n'ont pas eu ni le temps ni le truc pour faire les terrasses. C'est un investissement. Et chez les Arabes, il y a chez tous les terrasses pour récupérer l'endroit. Bien sûr. Quand vous allez en Judée-Samarie, c'est plein de terrasses de partout. Ils sont forts en terrasses. Ils ont pas mal d'œuvres. Les Juifs ne veulent pas travailler. Les Juifs, c'est le cerveau, c'est pas les mains. Dans les terrasses, on va boire des cafés. On dit que les pyramides, dont c'est que les Juifs, c'est les Juifs qui ont construit les pyramides. C'est jusqu'aujourd'hui, tiens. Non, parce que ça devient de plus en plus étroit. Tous les jours, un peu moins. Tanoura Banan Kitan Mekadrin. תחתון כנגד ליבו, עליון כנגד מרגלת, אמר הבאי, נקי צינן, הלכה, אין מקדרין אלא בחבל של ארבע אמות. הבאי ילדי, j'ai reçu de mes rabbanim que le kidour, quand on fait ces escaliers, en fait, ces sortes de terrasses, comme ça, vise, il dit, on ne fait pas avec des fils de 50 amas, compliqué. Il dit, il faut le faire que avec des fils de 2 mètres, c'est très compliqué. Maintenant, le problème, c'est que sur 2 mètres, c'est que les gens ils vont gagner. Pourquoi? Parce que tu calcules jamais la dimension de tes pieds. Et l'autre, il attrape dans sa poitrine. Donc, il se tourne. Comment il fait? La Gemara fait un compte que sur tous les... un nombre de... Tu gagnes au moins une amas sur 4 amotes. Parce qu'il y a les 2 pieds des 2 côtés. Donc, quand tu fais déjà 20 amotes, on a gagné 5. Il y a quelqu'un qui a supprimé dans la Gemara, je ne sais pas si c'est le Gaon de Vilna ou si c'est les éditeurs, le Bach. Ah, le Rif, il n'a pas mentionné, donc le Bach, il a effacé. Mais bon, la Kitinan, El Mekadrin, l'Obe Egla Rufa, Velobe Are Miklat, Mipne Shehen, Shel Torah. Donc, 21. Ils ne font pas des remises. Ils ont enlevé ça d'après le bar. Mais on peut le laisser. En fait, il y a fait méode. Dans des rabbanan, on fait des remises. On est mécader. Parce que mécader, tu sais que tu vas gagner. Sur tous les 4 amotes, tu gagnes une amas. Alors, c'est des rabbanan, on est mécader. Mais quand la Torah, elle a dit, Umadotem, quand la Torah, elle a demandé de faire la mesure pour la Egla Arufa, il faut mesurer aussi. Du mort. Ou tu tues la génisse. Alors là-bas, tu n'es pas mécader. Et on fait quoi alors? Alors là-bas, je crois qu'on prend le fil, il y a tout un travail qui se fait. Ça doit être au mètre près. Parce que c'est chez le Torah, c'est Midoraïda. Ça peut être cette ville? Ben oui, c'est des conséquences. Il y a 2 villes exactement. On a trouvé le. Il mesurait au centimètre près. Il est mort dans la falaise. Non, justement, on calcule. On calcule. Comment on fait le vol d'oiseau? Comment on calcule? Non, c'est-à-dire qu'ils prennent parallèle au sol. En fait. Ils ne font pas comme ça et comme ça. Ils font comme ça et ils tournent. Continue. Et quand tu as de l'air et quand tu as des choses qui rentrent et quand tu as des petits escaliers, c'est tout un... Le Rav Chaim Kanievski, parce qu'il est rendu au livre Ara, quand il avait 35 ans, il a écrit un livre sur une des choses les plus rares de la Torah. Il a écrit un livre 300 pages sur Egla Arufa. Wow. Ah, sur quoi? Et là, on va l'histoire de cette génisse. Car on trouve un membre. Puis Yosef Hatzadik, il a étudié avec son papa. 300 pages. Ce livre, il s'appelle Nahal Etan. C'est là-bas où tu vois sa grandeur en Torah. Ah, ouais. Comment il a fait sur cette mitzvah? Quand on passe, personne. Voilà. Il a écrit 300 pages là-dessus. C'est il énorme. A fait un kiddush Hashem de montrer à quel point la Torah est grande. C'est énorme. Son livre, il s'appelle Nahal Etan. C'est un de ses premiers livres. Nahal Etan. Il s'est fatigué pour
pour prendre une halakha que l'Ishma. Il a étudié l'Ishma. Ah ouais, il a fait un an d'études pour. On l'utilise même pas cette halakha. Ben oui, il faut Sanhedrin. Mais c'est une mitzvah dans la Torah. C'est une mitzvah. Donc il a écrit. Et si c'est comme ça, 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 et comment on mesure, et comment on fait, et comment on tac, et comment. Il rote et glare. Alors c'est ce qu'il dit. Pourquoi Mipne Shehen Shel Torah, c'est Nogia Aledin Torah. Tout ce qui est Nogia Aledin Torah, Irmiklat aussi. L'Irmiklat. Comment on calcule l'Irmiklat? Il faut la distance. Alors d'après la halakha, il faut savoir que un assassin, un homme qui a tué. Un homme qui a tué sans faire exprès. Un tueur accidentel. Et voilà, il se sauve dans une ville. Il n'a pas besoin de rentrer dans les murailles de la ville. Du moment où il est arrivé à 2000 mètres de la. À 2000 amot, il est déjà sauvé. Alors il fallait calculer, c'est combien? Pourquoi Nafkamina. Ils allaient à Bétar, ils allaient. Nafkamina. Il reste sous la carpe. Non, Nafkamina. Si le proche de la famille est venu, il a tué. Il a tué dans le tronc. Alors, il faut calculer. Maintenant, s'il a tué dans le tronc, il est rotaire. S'il a tué un mètre en dehors du tronc, il n'est pas tour. Donc, il faut calculer. Il y a des vies qui dépendent de ça. Que la Gemara calcule même, c'est les murailles, ils ont en blita. Oui, ben oui, parce qu'il s'agit d'une vie humaine. Il s'agit d'une vie humaine. C'est Minatora. Donc, vous voyez comment. Comment quand tu es des rabanan, tu peux être mekel. Quand tu es dans sur des oraita, tu joues pas. Tu vas jusqu'au bout. Bon, venez, on fait. On continue un peu la Mishnah. En modedin et la minamumre. On prend pas n'importe qui pour faire les mesures. Modèle spécialisé. Il faut un modèle spécialisé agréé par l'État. Un shamaï. Il faut savoir que même en Israël, les mesures ne sont pas les mêmes qu'en France. Vous savez qu'en France, par exemple, quand vous achetez un studio, en France, on vous calcule le mètre carré, le plan de travail, il n'est pas considéré. En Israël, tu payes même l'ascenseur. En Israël, on calcule. Oui, habitable. Non, mais par exemple, d'après la loi israélienne, tu rentres dans une cuisine, on te dit la cuisine, elle va faire 15 mètres carrés. D'accord ? Ah, tu dis, ah, j'ai une belle cuisine. Tu arrives, il y a les armoires qui bloquent, tu as finalement 5 mètres. Il te dit, qu'est-ce que tu veux ? Tu as mis les armoires dessus. La loi en France, si tu as écrit la cuisine, elle fait 15 mètres carrés, il faut qu'il y ait 15 mètres carrés pour marcher. Sinon, tu peux l'attaquer sur la vente. Il t'a roulé. Pourquoi? Parce que le meuble, il n'est pas considéré. C'est un meuble qui est là pour sous évier. C'est plus logique en plus. Il te dit ici. Ce qui est le plus rigolo en Israël, c'est quand vous voyez une maison, 5 chambres et demie. C'est quoi le et demi? C'est quoi le demi? C'est dans le couloir. Il y a une petite forme de un décor. Il te dit c'est un demi. L'épaisseur des murs. Avant, ils comptaient l'épaisseur des murs entiers. Maintenant, une nouvelle loi, il dit la moitié de l'épaisseur des murs, tu comptes. Pour mesurer maintenant. Les modes donnent une surface. Ils comptent la moitié de l'épaisseur des murs. Ça a changé les lois. Parce qu'il faut savoir, il faut faire très attention quand vous achetez, quand quelqu'un ne sait pas. Toi, tu sais qu'en exemple, le mètre carré à Ranana, il vaut 30 000 shekels. Tu viens, tu vois un appartement, il fait 4 millions. Tu viens, tu lui dis, combien de mètres carrés tu as? J'ai 150 mètres carrés. Tu vois l'Arnona. Non, alors il te dit, j'ai 150 mètres carrés. Tu lui dis, ah waouh, c'est avantageux. Au lieu de payer 4 millions et demi sur 100, pour 150, alors là, j'ai gagné 500 000. Je te dis, j'ai fait un coup. Allez, je cours là-dessus. Qu'est-ce qui t'a fait sortir? Il t'a fait sortir le papier de l'Arnona. Ça, d'après la loi, c'est pas valable. L'Arnona, elle calcule l'espace. Non, mais il faut le savoir. Les gens, ils publient. Quand les gens ils publient dans le Wachiatstein, ils veulent savoir combien de mètres carrés sa maison elle contient. Tu crois qu'il amène quelqu'un pour mesurer? Il regarde ce qui est écrit dans son papier de l'Arnona.
Non, il ne regarde pas là-dedans. Il faut le voir, il faut le savoir. Non, 80% des gens qui écrivent, ils regardent le papier de la Arnona. Ce n'est pas le vrai métrage. Vas-y, je te le dis. Quand tu achètes. Moi, quand j'ai cherché à venir ici à Arnona, j'ai fait 60 appartements. 60 appartements. Les gens, ils racontaient. Quand tu rentrais, je disais à ma femme, c'est un 150 mètres carrés. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Mes yeux, ils se cognent de partout. Il n'y a pas 150 mètres carrés. Et quand je regardais, ben, mais après, je marchais, je commençais à marcher. Je voyais, c'est tout petit. Et je disais à la personne, comment tu t'es arrivé à 150 mètres carrés? Finalement, il s'avère que l'appartement, il ne fait même pas 130, même pas 120. Parce qu'il y a la danse à la Hanaya quand elle est Mekoura. Il y a le parking couvert. Il y a Garmouchka à la mairie. Tu voulais pas. D'accord, on va chercher. Alors, il faut savoir chercher à la Garmouchka. Mais quand, c'est-à-dire que quand vous voulez négocier un appartement, il faut le négocier du prix habitable d'après le Mina Gamakom. Après, parce qu'il faut savoir que dans la loi en Israël, c'est très. Parce qu'il t'écrit As is. Tel qu'il est. Tel qu'il est. Et là, hein, ça te bloque au tribunal. Parce que si tu vas devant au tribunal, tu dis, il m'a menti. Regardez dans la fiche de vente qu'il a mis. Il a mis 150 mètres carrés. J'ai amené quelqu'un qui mesure. Il n'y a que 130. Il est encore dans le Tvachataout à Monteret. Il est dans l'erreur. En France, ce n'est pas admis. Même un demi-mètre, ce n'est pas admis. En France, ce n'est pas admis. En France, un 30 mètres carrés, c'est un vrai 30 mètres carrés. Pas rien que ça. Tu as par exemple, tu as un placard dans le mur avec une porte. Tu ouvres, il fait moins de 2 mètres. Ce n'est pas habitable. Donc, il ne le calcule pas. Si tu l'as calculé, tu peux l'attaquer d'après la loi. Alors, il y a des choses qui annulent la vente. Il y a des choses qu'on fait le calcul et on rend sur le mètre carré. Il doit rendre cet argent. Il a fallu une loi pour France. Oui, mais c'est correct. C'est correct. Ça vaut 20 000 euros le mètre carré. Ben oui. C'est 20 000. Quand tu vends, il faut que ce soit. L'Otara Soravel, Bamida, Bamsora, Bamishkal, la Torah, elle te dit. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, un ami. Il a une chaîne. Un peu que vous comprenez. Il a une chaîne, il vend du poké, du poisson. Il me dit, je me suis rendu compte. Il me dit, je faisais confiance. Il me dit, j'ai commencé à peser le poisson. Ah bah c'est sûr. Il me dit, tous les jours, il me vole 800 grammes. Il me dit, je commande 40 kilos de saumon. Tous les jours, j'ai 800 grammes de moins. Il me dit, mais le gars, il me dit, tu t'imagines, il m'a 3 ans, je travaille avec le fournisseur. C'est-à-dire qu'il m'a volé 3 ans en arrière. Qu'est-ce que je fais? Je lui dis, tu prends. Tu ne lui dis rien du tout pour l'instant. Tu prends tous les jours une vidéo. Exactement. Tu vois qu'il est, il est attaché. Tu prends et tu pèses. Et tu prends un témoin. Tu fais ça pendant 10, 15 jours, 20 jours. Après, tu lui dis que tu vas aller porter une plainte à la police. Et que tu vas l'attaquer. Et là, après une plainte à la police, tu peux l'attaquer en justice. Sur 3 ans en arrière. Mais parce que ça montre un modèle. Le gars, tous les jours, il vole. Tous les jours, il vole. Vous savez, le Gaon de Vilna, un jour, il a demandé au Magui de Douvne avec sa jeune famille. En fait, il a demandé au Magui de Douvne, il a dit, fais-moi du moussard. Le Gaon de Vilna, il voulait entendre moussard. Personne qui va lui faire un reproche. Le rave de la génération. Il dit, moi aussi, j'ai besoin de moussard. Il a écrit au Magui de Douvna, Anna Mimcha, Anna Yaheru Parme Markibotav, ne tarde pas à venir. Il est venu le Magui de Douvna. Et le Gaon de Vilna, il a mis cette filine sur lui et son talit pour être sérieux à recevoir du moussard. Il avait la tête baissée comme ça. Comme un enfant qui veut. Et le Magui de Douvna, il se tait. Et le Gaon de Vilna, il pleure, il dit, je t'en supplie, donne-moi. Je veux me corriger si j'ai des choses. Personne qui me fait aucun reproche. On me dit le rave. Et le Magui de Douvna, il a dit, Rabbi, qui je suis moi pour te dire du moussard? Tu t'engages, tu te lèves la nuit pour acheter. Il a dit quand même, et tu veux écouter du moussard? Oui. Il lui a dit, tu me laisses, tu me permets? Il a dit oui. Il a dit, Eliaou, tu es dans ta chambre à Vilnius, tu étudies la Torah, tu es proche d'Hachem. Mais si tu aurais été vendeur dans le marché de Vilnius, tu aurais vendu des pommes de terre et tu aurais eu 150 clients par jour. Chacun, il vient acheter 1 kilo, 2 kilos de pommes de terre. Est-ce que tu aurais fait attention au poids, au gramme près de ne pas voler quelqu'un? Toi, tu es enfermé parce que tu es dans un autre monde. Mais
Est-ce que tu as des vraies épreuves? La médecine de la vie, il dit, c'est-à-dire un homme qui est là-bas, et le grand divin, quand il a entendu ça, il a pleuré pendant une heure. Ça veut dire l'honnêteté de la neshama, ça veut dire faire attention de ne pas voler, de faire attention en gazelle date, en gazelle. Combien il faut faire attention? Comment, monsieur, il vend des cacahuètes? Mon grand-père était un homme simple, 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 un épicier. Il disait les livres judéo-arabes, Tehilim et Rokli Israël, c'est la soudure. Mais il avait, mon grand-père, quand il avait tellement peur du gazelle, c'est que quand les Français, ils ont amené au Maroc le poids, le nouveau système, c'est pas les poids à la balance comme ça, c'était la balance de l'autre côté. Auberval. Qu'est-ce qu'il faisait? Il y avait 20 grammes pour que ça penche de l'autre côté. Tant qu'il n'entendait pas sur le client, clank, que ça penche sur son côté à lui, il n'arrêtait pas. Donc les Arabes, ils venaient tous chez lui gagner parce qu'on va aller chez Moshe, on va prendre 200 grammes de thé, il va nous donner 220 grammes. On va acheter 200 grammes de poivre. Alors, un jour, mon oncle, il est venu, mon oncle, il est pris chez moi à la synagogue Shabbat. Il dit, papa, tu te fais avoir. Et on te prend 20, sur 100 grammes, ils voyaient les Arabes, ils venaient prendre 100 grammes de thé. Et mon grand-père leur donnait 120 grammes. Parce qu'il versait, il versait, il versait. Et alors, il a dit à mon grand-père, tu es fou, tu vas fermer ton magasin comme ça. Tu donnes. Elle est où ta marge? C'est les produits d'appel. Alors, mon grand-père, il lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il a dit, papa, tous les commerçants juifs, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent 80 grammes au lieu de mettre 100. Et ils jettent sur la balance comme ça. Donc, du coup, ça tape. Mon grand-père, il a fait comme ça. Comme choqué. Ah, tu veux que j'entre au Guéhinnom? Je t'interdis de rentrer, de mettre tes pieds dans mon magasin. Il m'a interdit de rentrer. Des mois, il n'a pas laissé rentrer parce qu'il avait peur qu'il va y marcher l'autobé Gezel. Les Arabes, quand on marchait là-bas à la Médina, quand ils avaient ils juraient au nom de mon grand-père. Puis j'y verrai. Et il n'a jamais été. Quand mon grand-père il allait à la banque, il prenait les billets, il mettait à l'époque, comme les vieux, l'épingle dedans. Et il amenait les billets, l'alias. Jamais il comptait derrière lui. Jamais. Tajal Moshaharat. Rien du tout. Et comme ça, il était. Parce qu'il avait son émettre. Il savait qu'il n'a jamais volé personne de sa vie. Et ça, c'est. Il faut de l'Ira Tchamaïm pour être là. Il faut être d'avant d'Ira Tchamaïm. Rabbi Hanana Ben Akash.